Bonjour, bonjour, shalom à vous. Dans le nom de Jésus, merveilleux peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont encore au lit, soyez bénis. Qui cherchent leur téléphone pour se connecter pour la prière, soyez bénis. Ceux qui sont déjà en chemin pour aller au travail, que l'Éternel soit avec vous. Toi qui es déjà arrivé au bureau, shalom à toi. Cette journée est ta journée, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de me tenir ce matin devant vous, sur vos petits écrans, pour diriger, conduire ces moments de prière matinale. Quelle grâce et quel privilège. Ce matin, je voulais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, qui me regardent, qui disent « la femme là est d'où, elle est de quelle église, comment elle s'appelle ?» Je sais que mon nom sort sur l'écran, mais je vais le faire moi-même. Je suis la révérende Lady Cécile Okafor. Je suis l'épouse de l'évêque Victor Charles Okafor. Par la bonne grâce de Dieu, nous servons ici au Sénégal, là où le Seigneur nous a envoyés. Alléluia. Et c'est un grand privilège pour nous de servir Dieu au travers de ces temps de prière matinale. Vraiment, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous disons au Seigneur merci. Nous sommes dans une nouvelle journée. La Bible dit dans le livre de Psaume 118, le verset 24. Je m'en vais lire ça rapidement. Il dit que « Voici le jour, Psaume 118. » Voici le jour, le Psaume 118, le verset 24 dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. » Le verset 26 dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. » Alléluia. C'est ici la journée. Voici, il y a certaines versions qui disent « Voici la journée que l'Éternel a faite. » Nous, ce passage-là, à un moment, a été transformé en des chants. Quand nous on rencontrait le Seigneur, « voici le jour que le Seigneur a fait. » Que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de... Alléluia, c'est la journée que le Seigneur a fait. Oh, c'était très rythmé, très bon. Quand tu sens ça le matin, tu es dans la joie. Je te partage, je te communique cette joie ce matin dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant... Si tu peux fermer tes yeux, tu peux ouvrir tes yeux, tu peux te mettre à genoux là où tu es, tu peux t'allonger là où tu es, tu veux marcher un peu dans ton salon, mais dans ta chambre. Mais tout ce que je veux que tu élèves la voix pour remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il vient de t'accorder. Nous sommes partis au lit hier nuit. Oh, se réveiller, Sainte bien-aimée, ce n'est pas un droit. Non, ce n'est pas un droit. C'est une grâce. Donc nous remercions le Seigneur ce matin pour cette grâce dans le nom de Jésus. Que quelqu'un prie avec moi. Père, je veux te dire merci ce matin pour ta bonté et ta fidélité. Merci de m'avoir gardé et gardé toute ma famille. Papa, en 2023, tu nous as permis de rentrer dans cette nouvelle année qui est 2024. Papa, que toute la gloire te soit donnée pour tes bienfaits et tes hauts faits. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'adorons et nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas demander maintenant au Seigneur que son sang précieux vienne te purifier, te sanctifier maintenant. Corps, âme et esprit dans le nom de Jésus. Implore le sang. Papa, nous implorons le sang précieux de Jésus ce matin. Que le sang de Jésus vienne nous laver, nous purifier, nous sanctifier, Seigneur, de tout ce que nous avons pu faire, qui n'a pas glorifié ton nom jusqu'au moment où nous sommes en train de prier. Viens nous laver et purifier par ton sang précieux. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous te disons merci. Que la gloire te soit donnée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant remettre cette journée. Oui, bien-aimé, tous les jours que Dieu fait, remets la journée dans la main de Dieu. La journée est pleine de surprises, de bonnes choses. Amen. Et le Saint-Esprit, tu vas lui demander de conduire, de diriger tes pas. Il y a ta bénédiction qui t'attend quelque part.
Tu vas aller visiter quelque part une bénédiction qui t'attendait. Alors demande la direction au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je remets cette journée en tes mains. Je remets ma vie, celle de ma famille, mes enfants, je te les confie dans le nom de Jésus. Dirige nos pas en cette journée. Assiste-nous partout où nous allons partir, que nous soyons assistés par toi, conduits par toi, guidés par toi, dans le nom de Jésus. Nous te le demandons, ô Esprit de l'Éternel des armées. Nous te le demandons, puissant de Dieu, de le faire pour nous en cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Sois glorifié, sois exalté, parce que tu le feras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, notre ami fidèle, le paraclet, oh, celui qui nous a été donné de nous conduire dans toute la vérité. Cette journée encore, tu vas nous conduire. Nous nous remettons entre tes mains dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de nos vies, de nos activités, de nos allées, de nos retours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous allons partir dans le livre de Ésaïe chapitre 7 ce matin. Nous allons déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé, les annuler au nom de Jésus. Nous annulons ce matin les programmations de l'ennemi. Ésaïe chapitre 7, le verset 6 et le verset 7. Mais j'aime tellement le verset 7 parce que là-bas, c'est une parole qui a été donnée. Quand l'ennemi l'entend, il ramasse tes bagages et va seulement. Le verset 6, il dit, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et pour proclamer pour roi le fils de Tabel. Le verset 7 dit que, il dit, ainsi parle le Seigneur, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Donc nous allons prier toute programmation de l'ennemi dans le venant du monde des ténèbres en cette saison. La Bible dit dans Ésaïe que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Alors nous déclarons et déprogrammons ce matin tout ce que l'ennemi a programmé. Toute programmation de l'ennemi destinée à avaler ma richesse en cette année 2024 m'a percé à les détruire. Je vous détruis au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce matin. Mon Père et mon Père, dans le nom puissant de Jésus, Éternel des armées, toute programmation de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a programmé en cette année 2024 pour avaler ma recherche, pour avaler ma percée, ce matin, au nom de Jésus, je l'ai détruit par le feu du Saint-Esprit et je déprogramme, Seigneur, tout programme de l'ennemi, tout ce qui a été programmé, quels que soient les lieux que cela a été programmé, quel que soit le lieu, le transfert a été fait. Nous prions par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ô Père, par la puissance de Dieu, nous les annulons. Toute programmation, quel que soit le nom de la programmation, que cela soit annulé. Quelle que soit la forme de la programmation, que cela soit annulé. Ce qui a été programmé dans la mer, dans l'air, nous les annulons. Nous les annulons. Nous les déprogrammons. Les personnes que l'ennemi a programmées pour les mettre sur notre chemin, pour venir mettre la confusion dans notre destinée. Papa, nous envoyons le feu de dérouter ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth. Maintenant, tu vas prier contre les programmations qui ont été faites dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, au village, dans ton village, dans le quartier où tu vis. Par la puissance du Saint-Esprit, nous les déprogrammons au nom de Dieu. Même dans la nation où tu es, par le sang de Jésus, nous les déprogrammons. Par le sang de Jésus, nous les déprogrammons au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, nous les déprogrammons. Par le sang de Jésus, nous les déprogrammons. Que toute programmation, programme de l'ennemi, budget de l'ennemi, objectif de l'ennemi concernant nos vies en cette année, papa, nous les déprogrammons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Papa, nous prions ce matin pour les étudiants et les étudiantes. Tout ce que l'ennemi a planifié, programmé dans les écoles, oh Seigneur, nous les déprogrammons par la puissance du Saint-Esprit. Dans les foyers, tout ce que l'ennemi a programmé, les agents du diable qu'il a envoyé, nous les déprogrammons ce matin, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre autorité encore en libérant le sang de Jésus dans les forteresses où ces programmations ont été faites au nom de Jésus. Nous envoyons le sang de Jésus dans les lieux secrets, dans les forteresses,
dans les grottes, là où il y a des rassemblements. Oui, Seigneur, que ce soit sur la terre des hommes, par la puissance du Saint-Esprit, nous les déprogrammons en ce jour au nom de Jésus. Tout esprit de mort programmé est déprogrammé. Esprit d'échec programmé, nous te déprogrammons. Esprit de stagnation, nous te déprogrammons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous programmons, nous mettons le programme de Dieu sur le tapis. Nous déclarons et établissons que le plan de Dieu, le programme de l'Éternel va s'accomplir dans notre vie, dans tous les domaines, en cette année, en cette nouvelle année, le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, le but de Dieu. Oui, Seigneur, tout ce que Dieu a pour nous, nous déclarons et nous établissons que cela arrivera dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci, Éternel des armées. Merci, Roi des rois. Ce matin, tu rends grâce à Dieu en te recouvrant du sang de Jésus, en recouvrant toutes tes activités, tes allées, tes retours par le sang. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous nous recouvrons ce matin par le sang de Jésus. Nos véhicules, nos voitures, oui Seigneur mon Dieu, nos vies, nos maisons, nos demeures, nos quartiers, les carrefours dans la ville, nous libérons le sang de Dieu dans les carrefours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions ce matin, Seigneur mon Dieu, pour le corps du Christ dans cette nation. Nous prions ce matin pour le corps du Christ. Que le corps de Christ, Seigneur mon Dieu, soit une voix dans cette nation. Je prie pour les serviteurs de Dieu, je prie pour les servantes de Dieu, que ta main puissante, ta protection divine soit sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni Alpha et Oméga. Roi des rois, nous te magnifions et nous t'exaltons. Nous te disons merci. Toi qui nous permets d'élever la voix vers toi, que ton nom soit célébré et que ton nom soit magnifié dans le puissant et précieux nom de Jésus. Le nom suprême de Jésus que nous avons ce matin prié et nous disons un grand amen au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Bonne et excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Aimez la page et partagez à beaucoup de personnes au nom de Jésus. Amen. Thank you.